Sur le port de Lorient, Alain Gautron s'est fait une spécialité des pointes et des aiguilles. Le tatouage est longtemps resté une histoire de marin, parti pour des terres inconnues et revenu émerveillé par leurs lointaines escales. Le gros flash, c'est le service militaire, la marine, les mecs à bord, quoi. T'arrives à Tahiti, t'embarques sur un bateau, tu connais pas grand monde, toc. Et à Tahiti, il fait chaud, tout l'équipage est en short, quoi. Et là, blablabla, les mecs qui revenaient d'Hawaï, Honolulu, la côte ouest des États-Unis. Les mecs, j'avais jamais vu ça, quoi. Des beaux tatouages colorés, des marinettes, quoi. Et là, clac, le tatouage maritime de la marine nationale. Alors là, c'est la grosse claque. Là. Tu pensais pas que ça pouvait être aussi bien, quoi. Chaque escale, tu cherches un tatoueur. Hein. Sex, drogue et tatouage. Hein. Tu vas dans les boîtes de nuit, tu cherches les filles et tu cherches les tatoueurs. Dans les escales, tu les cherches. Puis après, bon, bah voilà, c'est comme ça aussi que tu commences à te dire, tiens, c'est bien ce truc-là. J'en ferais bien un petit métier. Les marins aiment inscrire leur vie sur leur peau. Première traversée, amitiés éternelles, amour perdu, comme des secrets que l'on confierait à son épiderme. Voilà. Pour moi, chaque truc représente quelque chose. Parce que moi, je suis pas trop à avoir un truc tout le monde a. Quoi. Non, c'était un gars qui avait fait un rond en forme de bateau. C'est vrai que là, on peut être satisfait de la tenue, il n'y a pas de trou dans la couleur, les traits sont pas épais, c'est conforme au dessin qui a été fait initialement, donc pour un tatouage de 15 ans, ouais, ça va, c'est satisfaisant, surtout sur un avant-bras de pêcheur. Le tatouage se pratique depuis des milliers d'années aux Antipodes. Les Européens l'ont redécouvert au XVIIIe siècle grâce au capitaine Cook. C'est le brassage, c'est le voyage. Tatouage, ça rime avec voyage. C'est le voyage qui fait le tatouage. Parce que tu peux évidemment te dire que les Britanniques, les Américains se font tatouer plus que les autres. C'est uniquement parce que l'Angleterre, c'est une grande puissance maritime. Donc, ils étaient tatoués. Remarcher dans les pas de civilisations différentes, c'est important. De les voir vivre sur les gens, ça, c'est émouvant. S'il n'y avait pas des gens comme Mick, on ne reverrait pas vivre le tatouage tahitien, marquisien. Et c'est vivifiant, c'est ce qui te pousse à travailler. Quoi. Les bourlingueurs aiment les tatoués aiment l'aventure, graver la carte maritime de leurs escales et imprimer le goût de l'ailleurs pour l'éternité.